puissant afin de démontrer sa puissance dans le domaine des guérisons, dans le domaine des miracles que Dieu vous utilise, dans le domaine de la révélation qui vous utilise et sa puissance, oui, qui vous communique sa puissance. Recevez la puissance de Dieu. Que Dieu vous donne des dons, le plus terrible, le plus puissant, le don des guérisons, le don des miracles. Recevez au nom de Jésus. Qu'aucun démon ne puisse vous résister dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez cette onction de Dieu. Recevez cette onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. 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 Vous les voyez parmi les gens, vous les déposez. Travaillez quand même votre vie pour bien. Puissance de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Je vous communique ce soir quelque chose dans le nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Soyez remplis de cette plénitude de la puissance de Dieu. Afin de témoigner de la puissance de Dieu. Que Dieu vous utilise puissamment dans le domaine des guérisons, dans le domaine de la révélation. Recevez la puissance de Dieu. Que Dieu ouvre votre entendement spirituel. Quelque chose en train de se passer. Dieu en train de déposer. Avant de tomber chez nous, avant de la puissance, avant de tomber chez nous, quelque chose. Recevez quelque chose en train de se passer. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu ce soir. Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance 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 de Dieu. Oh Dieu, quelque chose en train de se passer. Le manteau de la puissance de Dieu. Aucun démon ne pourra te résister. Aucun démon ne pourra te résister. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette puissance de Dieu. Reçois cette puissance de Dieu. Reçois cette puissance de Dieu. Recevez. Recevez la grâce de Dieu. Oh la Oh la puissance de Dieu. Seigneur, bénis-nous. Nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Allez très loin avec toi, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur notre Dieu. Aux yeux du monde, aux yeux des nations. Donne-nous ta puissance, Seigneur. Les guérisons, les dons des guérisons les plus puissants. Les dons des miracles les plus puissants. Nous, Seigneur notre Dieu. Oui, en de chaque ababa. Oh, il y a de chaque ababa. Oh, il y a de chaque ababa. Il y a de chaque ababa. Oh alléluia, la puissance de Dieu en train de changer ta vie. Quelque chose en train de se produire dans ta vie. Quelque chose en train de changer dans ta vie. Quelque chose en train de changer dans ta vie. Quelque chose en train de changer dans ta vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir. Quelque chose, Seigneur. Merci Jésus. Et bénis chacun d'entre nous. De l'obéir, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons tellement ta puissance. Nous croyons en tes promesses, Seigneur. Oui, merci. Merci pour cette grâce que tu réponds, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu réponds encore. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la gloire parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es puissant. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Dis à quelqu'un, Dieu est puissant, dis à quelqu'un, Dieu est puissant. Dis à quelqu'un, Dieu est puissant. Dis à quelqu'un juste à côté de toi que Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher la puissance de Dieu. Nous devons rechercher la puissance de Dieu. Amen. Demandez à Dieu de vous utiliser et de vous faire entrer dans une autre dimension. Et ça, c'est important. Amen. Il y a une armée qui...
Dieu compte sur nous pour défier ces mystiques. Dieu compte sur nous. Il compte sur toi. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu compte sur toi. Dis à quelqu'un, Dieu compte sur toi. Amen. C'est ça? C'est ça la puissance de Dieu. Quand on a la puissance de Dieu, on ne peut plus se maîtriser, on ne peut plus. On a envie de parler de Jésus. On a envie de démontrer la puissance de Dieu. A plus B, on a envie de démontrer la puissance de Dieu. Viens, toi qui es derrière, viens, viens. Viens. Tu as envie de servir Dieu? Viens, 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 moi. Ça va? J'ai envie de servir Dieu. Et pourquoi? C'est la raison, il dit, parce qu'il a traversé les moments difficiles. Je ne voulais pas. Je voulais pas. Et puis je vais te communiquer, c'est ce qu'il y a en moi. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance de Dieu. Je te communique une force. Pierre Jean dit aux paralytiques, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce qui est en moi, c'est ce que je te communique. La force de Dieu. La force de Dieu. Que Dieu change le cours de ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un puissant serviteur. Je te communique mon soin. Aucun sorcier ne pourra te résister. Aucun sorcier ne pourra résister. Reçois cette force de Dieu. Je te communique cette force de Dieu. Je te communique cette force de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la force de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te communique comme une décharge dans ta vie. 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 Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois désormais cette grâce de Dieu. Aucun sorcier ne pourra te résister. Je te communique ce qui est à moi au nom de Jésus. Je te communique ce qui est à moi au nom de Jésus. Je te communique ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il fasse de toi un puissant serviteur de Dieu. Qu'il ouvre tes yeux spirituels. Afin de détruire et démolir le royaume de la sorcellerie. Et sois la puissance de Dieu. Afin de parcourir le monde entier. Qu'il fasse de toi un puissant serviteur pour les nations. Afin qu'au travers de ta vie, que les gens reconnaissent que Dieu est Dieu. Je te communique la grâce. Et sur ma vie, je te communique cette grâce. Et la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les gens parleront Dieu de toi. Ils découvriront Dieu au travers de toi. De la même manière qu'il appelle de moi son esclave, de la même manière qu'il m'utilise, il t'utilisera aussi puissamment afin de parcourir les nations. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Élie la dana, mon magere kemo, kere kemo, akibiao.
Namasu yona mo magereke mo, gereke mo akidia o. Amosale, amuo. Amosale, amuo. Amosale, amuo. Amosale, amuo. Amuo, amuo. Kiri, kiri. Kiri la kona mo magereke mo, gereke mo. L'onction qui est chez toi. Amen. Alléluia. J'ai une soeur qui m'a dit ça un jour. Quand je communiquais quelque chose à cette soeur, elle a fait trois jours sans manger. C'est l'effet de l'onction. Et Dieu a commencé à ouvrir grandement ses yeux. Il faut que Dieu nous donne des dons. Amen. Il ne faut pas que ce soit le crasseux seul qui parcourt l'Afrique. Non, il faudrait qu'il y en ait plusieurs comme ça. Il faut que Dieu plusieurs suscite des gens. Et désormais, les dimanches, nous allons prier comme ça pour les gens, pour que Dieu vous donne des dons. Vous devez avoir foi en vous. Amen. Dieu prend les gens qui sont inutiles, qu'on ne considère même pas d'ailleurs. C'est inutile, on ne considère pas, on ne pense même pas. Mais il faut que l'onction. Vous savez, quand vous avez l'onction, là où tu ne peux pas arriver, là, Dieu t'envoie là-bas. C'est ça. L'avantage de l'onction. Amen. J'ai connu les plus grands des gens de cette nation, dans le secret, qui se sont mis en genoux devant moi. Il parlait devant moi, je dis, que Père, je sais que tu as été en prison de la République. Tu as été. Je suis prophète. Mettez-vous en genoux, je vais prier pour vous. Les gens me regardent. Je dis, non, mettez-vous en genoux. Si vous descendez du fauteuil, que vous êtes en genoux, je prierai pour vous. Il m'a regardé droit dans les yeux, il dit, je respecte ce qui est sur moi. Je dis, c'est pas le crasseux. Je suis prophète de l'Éternel. Tant que c'est dans ce fauteuil, je ne prierai pas pour vous. Mettez-vous en genoux devant Dieu, je prierai pour vous. J'ai prié pour lui. Dieu m'a fait rencontrer les autorités les plus importantes de cette nation à cause de l'onction qui est sur ma vie. Comme vous savez, l'onction, c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas rentrer, tu rentres là-bas. Je suis rentré chez quelqu'un, je ne dis pas comme c'est la caméra. Ils m'ont testé. Ils m'ont testé dans la cour. Quelqu'un qui a dirigé cette nation. Ils m'ont mené dans sa cour pour dire, il y a eu des choses qu'on a ici. On a détruit des choses ici. Si tu nous montres exactement l'endroit, parce qu'on nous a envoyé pour faire le test, c'est une des filles de vous, voyez, qui m'a envoyé dans la cour. Elle voulait pardonner, non. Moi, elle dit, monsieur, je ne crois pas
au ministère des prophètes. Les prophètes là, c'est pas les prophètes qu'on m'a dit. Non, on ne fera pas ça. Malaché, vous la parlé quand il y a une guerre. Il dit, ça arrivait là-bas. La petite rencontre là, tu parles. Il dit, mais tu ne crois pas à votre histoire. Ok. Il dit, très bien. Elle voulait parler, la fille, il dit, stop. Laisse-le. Amène-moi dans la cour. Je vais te montrer que je suis prophète. Qu'il y a prophète et puis il y a prophète. Je suis venu te montrer qu'il y a prophète dans Jésus. Dès qu'on a, il avait un calepin dans la main. Paf! Dès qu'on a décollé, j'ai dit, ici, vous avez déterré telle chose, telle océan. Il a monté. On bougeait, j'ai dit, de l'autre côté, vous avez déterré telle chose. On arrive au troisième trou, il m'a regardé droit dans les 10, ça va. Il dit, non. Vous n'avez pas déterré là. Ils sont allés, ils ont déterré la tête d'un bébé. Quelque part là. Oui. Il est resté tranquille, il m'a regardé. Science Ténat, qu'on m'a appelé. Ils m'ont pris de la maison du monsieur. Ils m'ont mené au poste 2000. Où j'ai fait. J'étais le premier homme de Dieu ici. Qui était à la une de nouveau réveil. Kaya! Je parlais à la nation de l'homme. Comme ça, je me suis marié. Je suis venu à la maison. Je l'ai mis en genoux. Amen. Amen. Quand vous avez l'enchance, il dit, le monsieur dit, je suis franc-maçon. C'est la première fois que je découvre un don de Dieu. J'ai dit, tu as bien dit don de Dieu. Dieu est vivant, s'il te plaît. Il ne faut pas insulter les prophètes comme ça. Amen. Amen. Que vous Dieu nous donne des dons. S'il vous plaît. Demandez au Seigneur de vous donner des dons. Vous jouez ça, vous pensez que c'est pour crasso. Demandez au Seigneur de vous donner des dons. Vous êtes là, les petits enfants, dans vos champs. Bon. Au fini, c'est pour vous manger quoi là. Et les bébés comme ça, vous mangez. Mais bébé, je dis, maman, ça va? Elle a bêté, mais regarde. Ça va, mamie? Ça va? Dis, my love. Elle a essayé d'attraper. Elle se fait finir ta cuisse. Ils aiment chair humaine. Où m'a l'homme? Elle est devenue mon père, pitié. On l'a dans les sorcelleries. Imaginez-vous ceux-là. Quand toi seul. Hein? À moins de 30 minutes, c'est fini. Chacun allait laver sa main pour dire c'est fini. On a fini de manger. Où est les enfants du village là? Quand on met le plat, c'est fini. On gris-gris, c'est fini. Le plat est fini. Ils sont en carême, ceux-là, ils sont en gêne. Ben ici, là, quand tu viens ici, tu en gêne forcé sur ce lieu. Si on dit paix. Vas-y, on va te manger. Ça va? La sorcellerie, ça fait pitié de voir des enfants qu'on initie. Oui, c'est méchant. Amen. Vous avez compris mon message? Il faut que tu cherches l'onction. Cherchez l'onction de Dieu. Cherchez. Le jour que les disciples ont appris que Jésus était parti, qu'il devait envoyer quelque chose, ils sont allés chercher l'onction. Ils sont restés dans la chambre haute pendant des jours. En train de prier, et comme ça, Dieu a envoyé l'Esprit sur eux. Cherchez l'onction de Dieu. Amen. Amen. Si vous avez l'onction de Dieu, il y a les choses qui vont s'arrêter dans votre vie. Vous êtes obligé de s'arrêter. Vous allez contrôler votre maison. Vous n'allez pas toujours en train de défiler entre la maison et la pharmacie. Parce que vous allez maîtriser la situation. Amen. Amen. Vous pouvez aller même parler à une plantation. Moi, j'ai déjà fait ça. Parler à une plantation. Ça donnait plus de 10 tonnes. Je suis allé parler à une plantation. J'ai fait une expérience. Parler à une plantation. Ne jouez pas. Avec Dieu, il faut entrer dans d'autres dimensions. Dieu ne veut pas que vous soyez des chrétiens. Dieu veut que vous soyez des esprits. Tu ne comprends pas mon langage. Il veut que tu sois un esprit. Dieu fait de nous des esprits. Amen. Dépassez le stade de la chrétienté où on est là. Soyez des hommes spirituels. Démontrez la puissance. Amen. Amen. Démontrez la puissance de Dieu. Je lui demande. Démontrez la puissance. Dieu est prêt. Je priais pour quelqu'un qui avait carré ses dents. Sa dent a sauté et est tombée. J'ai dit aux gens, quels sont ceux qui veulent que je prie pour eux, ils sont venus. Et une croisade à la côte. Le monsieur a touché sa joue. La dent carrée est tombée par la terre. Amen. Dieu, faut que nous tombions. Amen. On va commencer à vous encadrer. Tous les dimanches, on va faire spécial don spirituel. On va prier pour les dons. On va prier spécialement pour les dons. Plus nous prierons pour ça, plus Dieu nous donnera assez de dons.
Comme ça, la maison, même dans vos rêves, Dieu va commencer à vous parler. Amen. Vous allez voir les choses extraordinaires qui vont se passer. Vous allez voir les apparitions des anges dans la maison. Vous allez voir les choses extraordinaires. Il faut que vous ayez quelque chose, une intimité avec Dieu. Que Dieu se révèle à vous. Amen. Afin que celui qui a fait à vous rencontre Dieu. Amen. Amen. Il rencontre Dieu. Je me souviens que je faisais une croisade à Guéillot, où une jeune dame mystique, Sabine, qui détruisait la ville de Guéillot, tous les pasteurs, le jour elle a voulu se lever, sortir de son corps en plein culte, pour m'attraper, elle a senti une épée, une aiguille dans son œil. Son œil a explosé, bah, elle a, ça a saigné, elle est tombée, elle a fait des aveux. On lui dit les votes. Toi, tu as venu dans la maison de Dieu, larguer Dieu. J'ai dit, je fous de Dieu. Puis venir tuer son serviteur qui est en train de prêcher. C'est pas vous dire ça. Tu dis, mais les sorciers, il dit, mais les sorciers, mais j'en ai fouté, ça. Ils ont croqué. Ayant croqué comme ça aussi, amen. Et ils aiment bien oser. Moi, je suis en train de parler de Dieu dans sa maison. Et toi, c'est dans la maison où tu veux manger. Hein, comme ça, on va te demander de monter grade. Tu n'auras plus cette grade-là. Jamais. Parce que je suis consacré. Amen. Amen. Allez, nous allons prier pour les familles. Mamie, tu es prête à changer? Hein? Quand tu es maman, au lieu de protéger tes enfants, tu les manges, tu les gardes. Quelle maman ça? Une maman doit protéger ses enfants. Il ne faut pas faire son grain en terre, mais. T'as tué combien? Viens ici. Hein? Tu as mangé? Tu as pas bouillé au marché? Si, il y en a. Il y en a. Où c'est l'homme? L'enfant, tu manges? C'est l'esprit mauvais. Hein? Esprit mauvais. Tu t'amènes à manger. Tu manges quoi? Foutu ou Blagali? Il mange pour tout. Ah, pour tout. Igname, ouvrez, c'est pour banane là. Tout igname. Comme baoulé. Quelle sauce? Aubergine. Aubergine seulement. Mmh. Ah, tu varies les sauces. Quand tu as pris aubergine, tu peux aussi prendre là. Non, je n'aime pas. Ah, tu n'aimes pas prendre là. Donc, voilà, c'est ce qui est rapide là. Les Togolais appellent ça demain. Soit ça demain. C'est très, c'est toi qui fais pas là. Vite, vite. Que tu as gâté tes enfants. Ouais. Comment une maman peut gâter ses enfants? Esprit mauvais. Pourquoi c'est toi, esprit mauvais, de chez toi? C'est un esprit mauvais. C'est ça? Ouais. Donc, un esprit mauvais, il faut faire différent. Tu n'as pas pris grossesse 9 mois. Si. Pour toi là, c'était facile pour accoucher. Non, c'est pas facile. Non, tu ne peux pas dire à esprit mauvais, pardon. Grossesse est pris là, ça fait 9 mois. Faut me laisser tranquille. Il va venir bouffer la forme. Combien? Quand tu as fini là, tu n'as pas donné à ta petite fille aussi. Si. Là, tu comprends. Comment tu es sorcier, tu sais que c'est pas bon, et puis tu donnes à l'enfant. Tu vas faire. Tu dis c'est mauvais esprit. Maintenant tu veux quoi? Je veux la libérer. Hein? Je veux la libérer. Maintenant, on a déjà prié pour vous. On a déjà prié pour vous dans le bureau. Je laisse maintenant toi. Oui. Tu veux changer? Oui. Pourquoi? C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Bon, non, on ne veut pas que tu changes. Vous partez comme ça, tu vas partir en Mauritanie. Oui, je veux changer. Pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu veux changer? On a donné visa. Hein? Oui, après. On a donné visa. Quand tu rentres, tu es parti. C'est ça, non? Hein? Mais pourquoi vous avez peur de mourir? Vous envoyez les gens là-bas. Quand vous dites de partir, vous dites non.
vous sur celui-là, c'est terrible, hein? Ah, vous savez que mourir là, ça fait mal. Elle dit oui. Nous, on a la compassion des amours. Et les gens, eux, ils vont te frapper. Des faux messieurs comme ça, des zogos, viennent, ils ont sorti. Moi, quand je viens vous dire non, tu es sorti, il n'est pas sorti. Je leur ai dit, quand ils ont dit ça, il y a mort dedans, ils ont pris leur bagage parti. Vous venez sur mon terrain, amenez-moi chez vous. La fesse pour fesse, on se regarde trois jours. Je mets tous ces gosses sur les pieds. C'est qu'il y a vous montrer. Maintenant, là même, quand il est rentré dans le village, si un village m'invite, j'ai fait une action, tu touches à ça, tu tombes, ton cœur s'arrête. Voilà, c'est maintenant bon. Maintenant, il y a trop compassion des âmes, compassion des âmes. Je vais rentrer dans une autre dimension pour effrayer un peu les gens. Ça, c'est tout. J'ai laissé un peu. Maintenant, là, mon cœur, là, quand il rentre dans un village, mort. C'est cette dimension-là dans laquelle je vais rentrer d'abord. Parce que vous terrorisez les gens. Ils viennent ici, ils se ramassent. Vous venez me regarder. Regardez-moi, ils sont sortis. Ah! C'est venu me demander. Toi, tu devais être sorti. Toi, tu devais être sorti. Viens prendre un petit vas-y, va te dire des sorti. C'est moi qui te dis. Dis-moi. Si je te dis à mort dedans, hein, chouette, j'ai levé. Tu m'es parti. Il y a un monsieur qui ne peut pas marcher. Vous maintenant vous les regardez là, est-ce que vous avez besoin de dire prophète? Il y a un souci. Et mon monsieur, ferme, le monsieur il a fui, il se cache. Tu as tué 843, tes amis viennent, ils dégagent. Je le cherche, on ne sait pas où il est. Il est dans la chambre. Sur le lit, il y avait des respirer là, fou, fou, fou. Vous-même, les sorciers, vous êtes terrible, vous avez peur. Ah, vous avez peur. Tu veux changer? Oui. Tes amis arrivent maintenant, tu cours. Tu avais respiré sous le lit, foie, foie, foie. On est souris. C'est pas nous, on a l'amour de Dieu. Si on allait te donner cadeau, on allait te briser, tu as bien. C'est tout sa confrérie qui est venue. Il vient dans mon bureau. Vous savez ce qui se passe ici? Il est où là? Ça va? Les gens ont peur. Ils ont peur maintenant de m'inviter. Voilà. C'est qu'on a montré là-bas. Je vous informe que je suis rentré dans le village. C'est pas à faire de dire que dans trois mois, non. J'arrête tout ça là maintenant. Vis-à-vis, ton cœur s'arrête au cimetière. On signe ces papiers-là. Il dit, je viens tuer vos sorciers. On est d'accord avec ça? Si on n'est pas d'accord, il ne rentre pas dans ton village. J'ai fait ça sur une période de 2 ans. Il a arrêté, il est revenu sur l'ancien système. Comme ça, on va respecter un peu Dieu. Madame, vous voulez changer? Pourquoi? Où est son fils? Il s'est levé. Vous voulez changer? Oui, je veux changer. Ok. Vous faites la délivrance. Vous faites sa délivrance la nuit, là. Et ça prend du temps. Vous faites sa délivrance le matin. Parce qu'à 5h du matin, je serai là. Tous les lundis à 5h, je visite ici. Vous libérez. Maintenant, on va essayer de voir. Vous qui avez fait déjà 2 mois ici, plus de 2 mois, on va essayer d'organiser un programme cette semaine. Et puis, on va vous libérer. Parce que la facture doit monter jusqu'à 82 000. C'est trop. C'est trop. Il y a des gens qui sont là pendant 2 mois, 3 mois, tout ça. Mais la soeur désirée, c'est moi qui l'ai maintenu là. Voilà, pour le moment. Mais ceux à qui je n'ai pas encore dit de rester longtemps, on va prier pour vous cette semaine-là. Vous devez gêner. Dieu doit vous guérir forcé. Voilà. Dieu doit vous guérir forcé. Parce que cette semaine, on va libérer. On fait quoi? Il faut qu'on libère l'endroit. On va libérer. Il y a trop de monde. Il y a tout le monde qui se lève le matin et vient dormir ici. Or, dans notre descente, à sa qu'on ne dépense pas assez. Qu'on est ici, c'est des factures. On va bien saisir. Voilà, allez, nous assurons que nous délivrons ce matin. Nous allons prier pour des familles. Venez, capitaine. Nous allons prier pour le capitaine. C'est ce que nous allons faire tous les dimanches. Nous allons poser une action prophétique. Demandez au Seigneur désormais de protéger ce couple-là. Et puis de confondre les ennemis de ce couple.
Mettez-vous à genoux. Nous allons demander au Seigneur, tenez-vous debout, c'est ce que nous allons faire maintenant. Désormais, tous les dimanches soirs, nous allons sélectionner des familles pour lesquelles nous allons prier et demander au Seigneur d'agir. Il est une minute. Ça va? Alors, madame. Tu me vois? Allez-moi. Ça va? On dit quoi? Hein? Comment tu t'appelles? Hein? Détache là-bas. Tu as quel problème? Tu as quoi? Hein? Depuis que tu étais à San Pedro. Laisse à moi les chemises. Laisse-moi quelque chose. Je vais vous capter une minute. Asseyez-vous. Ah, tu commences à être intelligente. Elle a une chaussure pour entrer dans le temple. Ça va? Ça va? Attrape la chaîne. Tu es venu ici dans un état de folie. Elle n'était jamais folle. Voilà, quand c'est malheureux, elle ne savait pas qu'il était folle. Tu es venu dans un état de folie. Tu as compris? Tu t'es déshabillé, c'est ça, non? À un moment donné, elle a commencé à se déshabiller. Jésus t'a guéri. Elle dit amen. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Tu peux chanter un chant? Hein? Chante un chant. Chrétien. Donne le micro. Jésus t'a guéri, c'est pas ça? Voilà. Donc chante un chant. Chante fort. Non, chante fort, chante. Elle dit qu'elle a donné la vie à mon âme. Tu connais le chant? Tu connais? Ok, vas-y, il maîtrise la note. Allons-y. Allons-y. Où est ta maman dans la salle? Où elle est? Non. Où elle est? Va la chercher. Donne-moi le micro. Envoie-moi ta maman. Yeah.
Jésus est bon, non? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Madame, vous allez retrouver votre enfant et le nom de Dieu sera glorifié. Amen. D'ici 3 jours, c'est vrai qu'il va pas manger ici. Amen. Amen. Il y a quelque chose qu'en train de se passer en elle. Mais l'essentiel a été fait. Tu as compris? Hein? Et toi qui vas préparer à manger aussi. Le diable sera honni. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous allons nous lever pour dire merci à Jésus pour ce miracle. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Nous prions ensemble, Seigneur. Tout le monde parle, Seigneur. Prions ensemble. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Si on a mieux,